chose et des questions à la poser. Sur la, la dernière phrase, on a pu voir que vous n'êtes pas de cet avis sur le fait que la Suisse en a accueilli nos détenus. C'est quoi votre avis sur la chose? Bon, disons que la phrase qui est un vrai faux documentaire, donc partant de là, l'idée c'est de sortir avec une interrogation, de se dire est-ce que ça s'est réellement passé, jusqu'à quel point, quels sont les éléments qui corroborent ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a du vrai, est-ce qu'il y a du faux. C'est plutôt pour donner aussi envie aux gens de gratter eux-mêmes, d'aller voir un peu plus loin ce qu'aurait pu en être. Évidemment, comme c'est censé être signé par les auteurs du film, après avoir montré un peu pareil, ils vont évidemment dire qu'ils ne sont pas de cet avis, puisque eux ont assisté, témoigné de la présence d'une personne en plus dont on n'a pas parlé à part dans le film. C'était ça l'idée. C'est vrai que c'est aussi un petit peu dans l'intervention des personnages, justement cette volonté militante de signaler quelque chose qui mérite la réflexion. Et on a eu d'ailleurs dans le cinéma, justement, ami à Yassine, on dit sur le fait qu'elle trouvait que c'était une réflexion qui, comment dire, qui faisait un peu de droite. Dans le sens. En gros, hein. Dans le sens. Il y a des arabes partout, il y a des arabes partout. Pas autre chose, mais des menaces. La menace là, en l'occurrence, ça serait plutôt du côté de l'État. Ouais. Je vais faire un vas-y. Et moi j'ai une question, mais du coup, quel serait le, nous qui avons vu ce film, quel serait le degré de véracité selon vous par rapport à l'histoire même qui est présentée dans ce film? Est-ce que vous pensez que c'est fortement plausible ou est-ce que c'est vous qui avez voulu pousser plus loin la réflexion et puis aller dans le drame pour entrer dans, dans l'aspect plus cinématographique? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un degré de plausibilité Disons par rapport à. Au départ, enfin, à l'origine de ce projet, il y avait une longue recherche pour un documentaire qui m'a amené à rencontrer différentes personnes liées à la fois à l'accueil des ex-détenus ou même à des ex-détenus accueillis par la Suisse en direct. Donc, je me suis quand même pas mal inspiré de ces rencontres et de la réalité de ce qui s'est passé au 2009-2010 dans l'accueil des trois ex-détenus. Et le but, c'était aussi de créer une sorte en tout cas, d'univers vraisemblable à l'intérieur de l'intrigue qui restitue différents états qui ont eu lieu dans l'accueil des, dans le réel accueil des ex-détenus. Après, évidemment, il y a une fictionnalisation très forte et un écart. Parce que imaginez qu'en 48 heures, il y a deux pénibles comme ça qui arrivent à tomber sur un thriller qui se déroule où tout se passe en fait. C'est plutôt une aubaine incroyable. C'est vrai qu'on a resserré dans la durée des choses qui auraient pu s'étaler autrement. Mais oui, c'est inspiré de. À plusieurs tiroirs qui correspondent à des choses qui se sont passées. Moi j'ai une question, quand il y a un premier film, il y a l'idée de voir la tradition humanitaire suisse, est-ce que sur ça vous avez plus d'informations, c'est quelque chose qui est institutionnalisé ou c'est juste la tradition humanitaire suisse, la tradition d'asile? Il y a des gens qui en parlent au début pour justifier le fait qu'il faille accueillir des personnes, et puis là on la entend actuellement. D'un côté, on a de plus en plus une politique restrictive. Est-ce que vous avez senti cette tension dans vos enquêtes sur les détenus notamment? Ça, c'est plus l'impression par rapport. Je ne sais pas, c'est pas quelqu'un d'officiel qui annonce ça. Puis c'est la tradition humanitaire suisse, c'est plus le fait d'avoir des grandes organisations internationales. De nombreux traités étaient signés ici en Suisse durant le 20e et que maintenant on voit que ça se calme en tout cas assez largement et qu'on a une politique plutôt fermée. Mais... Disons, la Suisse est l'un des pays qui, historiquement, a inventé l'intervention humanitaire à travers la création de la Croix-Rouge et du CICR, etc. On a tous les sièges de la Société des Nations dans les années 30, on a le CICR. Donc c'est clair que c'est un pays qui, entre guillemets, a ça dans son ADN, en tout cas, au niveau de son image de marque. Après, est-ce que c'est respecté vraiment? On peut voir que ça fait 20 ans depuis le référendum sur l'Europe, en 2002, que il y a quand même eu un gros virage, on va dire, de fermeture. En parallèle de ça, pour les questions d'asile, etc., c'est vrai que c'est un pays qui a une forte population étrangère, mais ce n'est pas forcément pour des grandes questions humanitaires ou de générosité, c'est aussi parce que l'accession à la nationalité est tellement difficile par rapport à d'autres pays européens que le 25% à peu près, là ils ont fait un recensement
Office statistique fédéral, on est plus de 8 millions actuellement. Mm-hmm. 8,2, 8,3. Il y a à peu près, c'est ça, 25%, on dit qu'il y a 25% d'étrangers en Suisse. C'est bien petit, mais enfin les permis C, les permis B, le long chemin de l'accession à la nationalité fait que ce n'est pas que d'un coup on en vient des portes, on a mis plein de monde, c'est juste qu'il y a structurellement beaucoup de gens qui sont au régime de permis et qui ne passent pas forcément à l'étape de la naturalisation. Mais ce n'est pas un pays qu'on peut confirmer non plus. Hein. La tradition humanitaire, ce n'est pas lié à la politique migratoire. C'est vraiment l'idée de la tradition humanitaire, c'est-à-dire l'esprit d'Henri Dunant. Voilà. Henri Dunant, il n'est pas belge, ouais, il n'est pas suédois, il n'est pas vénézuélien, il est suisse. Je profite. Plus sur l'historique du projet, vraiment, pour le film, etc. Donc, on a la chance d'avoir un étudiant de l'université, en l'occurrence, donc on peut peut-être plus facilement s'identifier à lui. Et puis, ça sera intéressant de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans un projet en commun, comment ça s'est passé au départ, en fait. Du coup, très concrètement, moi j'étais étudiant en droit ici, en deuxième année, et j'étais en train de me dire est-ce que j'arrête ou pas, parce que je teste ça. Et je fais pas mal d'impro et puis des trucs de théâtre à côté de mes études, et j'ai une amie comédienne qui m'a dit qu'il y avait un casting, je connaissais la directrice de casting en l'occurrence pour ce film, qui cherchait un arabe entre 19 et 28 ans, elle me dit mais c'est bon, faut pas y aller, c'est pour jouer couscous maintenant dans un film. Et en fait, il s'avère que j'y suis allé finalement, genre presque 8 mois après qu'on m'ait parlé de ça. Et mon talent naturel, la classe, etc. J'ai eu la chance. Et ensuite, ils galèrent plus pour vous avez plus de problèmes pour trouver le second. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Dario est un très bon ami à moi, qu'on se connaît depuis le gymnase. Et que... Ouais. Et c'est lui qui m'a justement transmis, enfin, qui m'a transmis, qui a commencé par fanfaronner, à me finir. Dario, putain, je peux faire un film voilà. Et qui m'a dit. La même chose, mais qui m'a dit il cherche un type, ta tranche d'âge devrait convenir avec un air dépressif. je me suis dit, allez, on essaye. Et au final, ni Yacine ni moi sommes comédiens professionnels, donc c'était d'autant plus un pari, en quelque sorte. Après, c'est vrai que c'était très chouette, quand on a appris qu'on était les deux sur le projet, il y avait un côté un peu. Bon, d'une part, qu'on va toucher tous deux, enfin, c'est l'optimum qu'on était, on va toucher tous deux un domaine qui nous plaît particulièrement. Non. En ce sens, c'est très vite rendu compte. Mais. Vous avez dû payer pour être engagé. J'ai essayé. Mais toi, t'as payé moins, t'es arrivé après. Ouais, c'est ça. Mais parce que vous avez déjà obtenu finalement l'argent de toutes les personnes avant qui ont essayé de les casser à pleine. Non, très peu plaisanterie. Donc, oui, c'était très chouette d'avoir Yacine, effectivement, qui d'abord fanfaronné, ensuite m'a suggéré, et j'ai essayé, et on s'est retrouvés deux sur le projet. Et il y avait effectivement cette fonction en deux temps aussi, que le film c'est une chose, mais il y a tout le background, le bloc, effectivement, qu'on a bel et bien écrit tous deux, où on a entrepris le temps de chercher du matériel de base, de faire se mettre aussi dans la peau d'un personnage en dehors du film, qui écrit, qui se documente, qui fait des recherches sur un sujet. Ça. C'est intéressant de rester un personnage fictif à l'extérieur du film aussi. Et ça, c'est vrai que c'était une expérience qui dépassait simplement le 7e art, ce qui était déjà en soi une expérience formidable pour nous. Pour le blog en tout cas, on est même allé après au Parlement à Berne pour interviewer des parlementaires suisses et des conseillers fédéraux. À deux doigts dans les conseillers fédéraux, c'est sur la question de Guantanamo, du coup, si tu peux peut-être partager sur le Cosplay éventuellement si ça vous intéresse, sur cette question-là. On a failli avoir Bourcater, et puis c'était très bizarre parce qu'on était. On arrive là-bas, on n'était même pas. Enfin, on n'est pas dans un métier là, un généraliste ou très ultra reconnu. On a passé des balles perdues. Puis on se retrouve face à Freisinger, et puis j'ai mes yeux qui transpirent de. Et le producteur qui est là, qui dit vas-y, c'est Freisinger, faut y aller. Puis du coup, vous verrez la vidéo. Je n'étais pas dessus parce qu'il est lancé. Ça vaut le coup de voir. Effectivement, toute l'idée c'était de. À partir du moment où on a commencé à réfléchir, moi, qui m'interview, on s'est dit où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit. Puis c'est vrai que moi, dans l'absolu, je dirais on n'a pas fini. Quoi. On va pas encore, peut-être si on en met une couche, mais autrement, là où on ne nous attend pas. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on crée des personnages, et que c'est tentant, maintenant qu'on les a fait interagir de façon directe, notamment dans cette séquence du Parlement, que vous pouvez aller voir sur conclusion.tv, par curiosité, ça c'est rigolo.
ça dure une longue durée. Ça dure tous les jours. Et puis l'idée c'est peut-être de faire rebondir ça sur des thèmes, on va dire aussi, sociopolitiques ou liés à la thématique ou pas. C'était aussi intéressant par rapport à, enfin, voilà, on est dans un cadre de sciences politiques, l'accès aux parlementaires, au parlement, c'est, je veux dire, on est vraiment, pour le coup, la démocratie directe, c'est pas seulement le droit de faire des initiatives à la con, d'empêcher les minarets de se construire, mais aussi de pouvoir dire, tiens, moi j'aimerais bien aller faire des interviews au parlement, puis on s'inscrit, puis on rentre. Quoi. Même le lendemain, on n'avait plus l'accès, et puis on a pu se poser devant, et les gens ne répondaient pas. C'est des choses dont il faut profiter, je trouve. Mais c'est ce qui est fou, c'est par exemple, voilà, c'est pas extrêmement intéressant politiquement, peut-être, mais que. On était du coup devant la salle où se tenait le Conseil des États qui siégeait. Puis à un moment, il y a l'attaché de presse de Didier Bourcatère qui nous demande à nous « Hey, vous voulez faire une interview de M. Bourcatère ?» Ouais, d'accord. Ok, d'accord. C'est sur quoi ?« Guantanamo, c'est pas son département. » Peut-être une autre fois. On peut retourner la semaine prochaine avec un peu de chance. Je sais pas, j'aurais jamais pu imaginer ça avec Manuel Valls en France, même avec n'importe quel parlementaire en France. Mais en plus, ce qui était marrant, c'était l'occasion, c'était l'apparition du rapport américain sur la CIA et la torture. Mm. Donc, il y avait un climat un peu sulfureux pour que la Terre s'exprimer face à un total inconnu. Tu vois, je trouve ça très intéressant. Je vais aller voter plutôt. Parce qu'il y avait une session en parallèle, c'était la fin de l'élection fédérale. Ouais. C'est assez dingue de voir aussi à quel point les politiciens suisses, en fait, ce qu'on a pu en voir, sont des lunettes médiatiques. Qui sont taquets, quoi. C'est, on arrive, on veut parler de ça, ils sont très bien. Ils se redressent un peu, ils se mettent sur la gorge. Allez-y. Et ils envoient et répondent de manière. Enfin, ils savent comment ça fonctionne, ils acceptent parfaitement les codes, et du coup, ils savent exactement quoi donner, comment le donner, comment en plus représenter leur parti, comment. Enfin voilà, c'est une archive assez incroyable. Et ça a pu fonctionner. Mais ils étaient un, moi, c'est spontané aussi, je trouve, dans la réflexion. Et le seul, c'était Christophe Darbollet qui. Fait sa réponse, qui dit non, mais attendez, pour commencer, on va refaire la prise, c'est le seul qui va bien. Comment ça se fait? Moi, je l'ai dérushé, je l'ai monté, donc j'ai dû refaire la vue. Comme ça. Il tombe un peu dessus, quoi. Il sortait de table de. Ah, j'ai quand même une question, parce que au-delà de la migration, donc là du fait de Guantanamo, il y a quand même une problématisation de fond sur la question de la transparence, sur la question de l'accessibilité de l'information. Moi j'aimerais savoir, vous personnellement, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est quelque chose que vous avez pu observer, ou c'est un soupçon que vous avez que vous voulez dénoncer? C'est quelque chose, c'est-à-dire quoi? Dans le sens où vous abordez... Ouais, finalement c'est une problématique sur la transparence, l'accessibilité à l'information, et ce qui se passe finalement dans les couloirs, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer, ou c'est quelque chose que vous voulez décrire? Disons que moi, ce que j'ai trouvé intéressant ces dernières années, ça remonte déjà, mais en gros, il y a une constante, c'est que le jeu politique, entre guillemets, parfois paraît inefficace au regard d'un scandale d'ordre mœurs, si tu veux, qui surgit sur une personne pour la faire tomber. Ça, on a pu le voir. Un des moments où ça s'est passé de manière la plus proche de nous, en Suisse romande, c'était Christian Brunner, son éviction de l'élection au Conseil fédéral. Et ce qui m'était tombé sur le coin de la gueule à cette époque-là, c'était qu'on l'avait accusé de participer à des partouzes. Donc ça n'a absolument aucun intérêt d'imaginer que quelqu'un puisse participer à des partouzes par rapport à sa vérité d'accéder à des responsabilités fédérales. Apparemment, moi je fais cette distinction, je dis moment, c'est une distinction que tout le monde fait de la même manière, et au contraire, c'est quelque chose qui peut vraiment être fatal à une carrière, de façon beaucoup plus efficace que, mettons, la fin d'une dispute politique ou la contestation de points d'un programme d'un parti, etc. Tout ça, ça disparaît au moment où on dit « Oui, mais on l'a vu dans une partout, on a des photos. Y a-t-il une interdiction de participer à du groupe sexe dans la vie ?» Non, il n'y en a pas. Bon, après, la morale, en fait, et la politique, ces 20 dernières années, se confondent vachement, en fait, et la morale prend le pas, prend l'ascendant sur la politique. Énormément de scandales sortent pour influencer ou pas les décisions publiques avant même qu'ils puissent être en état de voter pour la personne. C'est juste que ça y arrive, c'est une chose que moi j'ai observé de près, qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est une arme, en fait, c'est un ressort qui a presque l'air de sortir des tiroirs de Nicolas Machiavel, si tu veux, quelques siècles plus tard. Je trouve qu'il faut s'en occuper de ça de très près.
Alors l'idée du scandale de mœurs qui touche la fille de la politicienne en l'occurrence, c'était en référence aussi à tous ces scandales qu'on a pu voir émerger, et pas seulement autour de nous, mais en Suisse même. Donc, je parle au Brunner, mais il n'y a pas eu que ça. Hein. Il y a eu différentes affaires comme ça dont on parle ponctuellement, puis après on n'en parle plus, une fois que le résultat est obtenu, c'est-à-dire d'écarter la personne de la course. Voilà. Et sur la route des recherches ou des échanges avec les gens, c'est vrai que ce genre de scandale, quand même, le test qu'on a pu faire, on l'a montré à tous écrans à Genève, il y avait une sorte de table ronde après avec Maudet, qui est le sécurité économie à Genève, il y avait Rod Berlusconi, conseiller national socialiste, différentes personnes, journalistes, etc. Et puis, on avait aiguillé le tir juste après la projection, plutôt que de se dire, ils vont nous parler de ce que c'était un vrai, ce que c'était un faux, le degré de crédibilité, etc. C'était la question, c'est vraiment qu'est-ce que vous auriez fait à sa place. Et c'était marrant parce qu'on a filmé ça, donc je l'ai gardé. Et on voit Paul Berlusconi qui dit c'est incroyable ce qu'on lui fait subir à cette femme, machin, et après elle se rattrape et dit mais quand même c'est pas tout à fait vraisemblable. Et l'autre, donc Odette, dit oui, mais c'est vraiment, c'est très proche de la réalité, c'est embarrassant. Enfin, c'est intéressant de voir que ce sont des questions qui les interpellent, parce que c'est clair que ce mélange de genre entre vie privée et vie publique, il est toujours. Tous les jours. Mais c'est légal d'utiliser ce genre de système, enfin, de pour. Alors là, dans le film, c'est vraiment un chantage qui tombe sous le coup de la loi. Hein, ah, mais c'est que ça existe, mais je trouve ça un peu. Après, selon comment c'est fait, par exemple, je ne sais plus, c'est plus quel mec à New York, c'était le candidat à la mairie qui a envoyé des photos de lui à quoi, j'ai mis quoi. C'est un peu mais. Il s'est fait désinguer parce que c'était. Si, ah, on a retourné, il y avait le maire d'Otton. Voilà, l'écologiste posé à poil dans son bureau, Charo. Voilà. Donc, on a envie de dire, est-ce que c'est plus grave d'avoir un mec qui envoie des textos, des images privées bon, alors, évidemment, il a dégradé l'environnement public de sa fonction, il n'a pas posé à poil dans le bureau de la ministre. Okay. Mais au regard d'autres manipulations politiques ou d'actions, de postulats, c'est relativement moins grave. Donc, c'est illégal de faire du chantage avec quelqu'un. C'est clairement illégal, ça. Pour provoquer un peu, est-ce que c'est pas un peu gros? Parce que c'est la fille d'une chef de cabinet d'un conseiller d'État genevois. C'est pas extrêmement gros, finalement. Donc, est-ce que. Finalement, voilà, faire chanter un si petit échelon, est-ce que, enfin, voilà, c'est pour vous. Disons que ce qui est marrant là-dedans, c'est de choisir un personnage qui n'est pas au premier plan. C'est-à-dire, c'est pas une politicienne, c'est une fonctionnaire d'État. Elle est en train elle est en campagne, on peut imaginer que c'est une future fonctionnaire d'État, elle-même, elle a une carrière, mais là, elle est au service de l'État. Et en fait, ce qu'on cherche à bloquer dans le processus, c'est l'opérationnel immédiat. C'est-à-dire, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de bloquer tout définitivement, on essaie de bloquer peut-être pour avoir un délai d'un mois, trois semaines, de renvoyer le mec qui reste au gros point de crise. Donc c'est pour bloquer le cours immédiat des événements qu'a lieu ce chantage. Comment tu fais, par exemple, tu fais un cours devant, par exemple, dans le cadre d'un appel d'offres, enfin, je ne sais pas, une entreprise, il ne va pas directement dresser la passe d'un conseiller fédéral, il va plutôt aller vers l'employé de service industriel, la ville de Zurich, pour lui placer la patte. Ça n'empêche pas qu'en attendant, ça puisse empêcher la tour. Hein. La bonne marche des affaires de l'État. Non, mais peut-être que c'est un peu gros. Peut-être. Enfin, je veux dire, toi, moi, j'accepte, il n'y a pas de souci. Hein. On peut trouver que c'est gros, pas gros. La construction fait qu'au moment où il y a eu l'accueil de ces personnes-là pour de vrai, c'est tellement. La chaîne de responsabilité est tellement diluée qu'au final, les gens qui sont au front, c'est souvent des petites mains. Parce que personne n'a envie d'être celui qui a accueilli le Ouïghour, qui potentiellement, ils sont tous complètement dans la boue comme ça, en se disant si dans deux ans il se fait péter, ça sera moi sur la photo. Voilà. Donc, du coup, ils envoient des mecs. Donc, ça s'est fait aussi comme ça. Je ne me souviens plus vraiment, mais donc pas de conseiller fédéral, pas de secrétaire d'État. Vraiment, tu vois le danger dans le moment où ils ont accueilli les frères Martin dans le Jura, les frères Ouïghours. Je te mets au défi de me trouver un politicien de premier plan en photo avec un ou deux des frères. Les sujets, c'est radio régionale du Jura.
Et ils sont toujours un peu tout seuls, dans une salle un peu comme ça. Et l'autre bout, il y a un mec, tout ça. T'as pas une photo, ils ont appelé la santé, on a assumé, on a accueilli des ex-époux Guantanamo, ça, ça n'existe pas. Alors, le chemin, c'est d'abord au fédéral, d'abord il y a eu des lobbying au Parlement, il y a eu une commission interparlementaire qui a fait pression sur le Conseil fédéral, ça a pris beaucoup de temps, ensuite il y a eu une lutte au Parlement entre l'UDC et les membres de cette commission, ensuite il y a eu une acceptation symbolique du fédéral qui a dit oui, ok, on est d'accord pour l'accueil, malheureusement il n'y a pas de canton. Alors, stand-by pendant une année. Non, il n'y a pas de canton. Alors après, il y a Valais qui s'est proposé, Genève s'est proposé, le Tessin s'est proposé, puis ils ont décidé de s'appeler les autres. Puis, en fait, au moment de passer à la signature, un mois avant, ou une semaine avant, enfin, c'est en fait non. Alors, rebelote, un an d'attente. Et après, c'était pour le jura, parce qu'une des parlementaires qui était dans la commission interparlementaire, qui s'appelle Anne Sélu-Christ, et qui est une PDC, conseillère aux États, a fait du lobbying pour que le jura se et c'est passé par le jeu. À part le point de vue éthique ou moral, il y a un intérêt d'accueillir des réfugiés pour ces cantons. Enfin, je ne sais pas, il y a des subventions, des choses comme ça. Enfin, je trouve que politiquement, les faire risquer, et puis je me dis au fond, tout ouais, ça risque. Pourquoi ? Dans le contexte fédéral de l'époque, c'était pendant les débats diplomatiques avec les États-Unis sur le secret bancaire, ouais. Puis même les parlementaires nous disent, vous pouvez le voir dans la vidéo, que des gens qui étaient là pendant les débats là-dessus, les propositions. Que c'était, en fait, le but c'était d'essayer d'arrondir les angles avec les États-Unis en accueillant les détenus Guantanamo et en se disant peut-être qu'ils vont se calmer avec le secret bancaire, mais ça ne servait à rien. Ce qui peut aussi peut-être expliquer qu'après, il n'y en est plus, en tout cas. Et ça, il y a des isolatements. Oui. Il y a des isolatements aujourd'hui. Aujourd'hui aussi. Bon, à l'époque, les arguments des pour et des contre, les pour, c'était vraiment une position éthique, hein, et puis assez bien circonstancié. De l'autre côté, c'était plutôt une position de principe, UDC, de dire si ces mecs-là sont passés par Guantanamo, il n'y a pas de fumée sans feu, on n'en veut pas, on n'est pas la poubelle des Américains, on n'a pas accepté ces gens-là, s'ils ne sont même pas foutus de les accepter aux États-Unis, pourquoi les autres pays devraient s'en charger, etc., etc. Donc c'était cette ligne dure. Quoi. Il y a eu d'autres pays candidats à l'accueil ? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Ouais. Bah, ce qui se passe aussi, c'est que les gens, quand ils sortent de Guantanamo, s'ils ne sont pas ressortissants d'un autre État, comme c'est le cas des deux frères Mahmoud, de ressortissants ouzbeks qui est accueilli par le canton de Genève, ils ont des passeports chinois, ces deux frères. Donc s'ils rentrent en tant que musulmans du Xinjiang, du Ouïghour, en Chine, c'est Chao ou c'est du fin de la vie en prison. Voilà. Donc ils sont techniquement des apatrides, donc ils n'ont pas de double nationalité. Voilà, les ressortissants d'autres États, qui sont binationaux, allemands et syriens, I don't know. Ils ont en général pu retourner dans leur pays de nationalité européenne. Et puis là, certains ont été jugés. Mais la plupart des gens, il faut se rendre compte, il y a eu environ 800 personnes qui sont passées par Guantanamo. Il en reste environ 110. Qui sont, la moitié sont libérables, les autres ne sont pas libérables, techniquement. Ils ont tous été innocentés. Hein. Donc c'est à l'échelle historique, c'est la plus grosse erreur judiciaire qu'on puisse connaître au XXIe siècle. J'ai un taux d'échec pareil au niveau d'un autre tribunal, de dire bon, là, 800 personnes, on en a envoyé 700 sans aucune charge, je pense qu'on aurait fait un tribunal. Je pense qu'on aurait peut-être un tout le monde ici. Moi, j'aurais une question sur le slogan que vous aviez choisi. L'État, peut-être que je me trompe, mais c'est l'État, c'est la raison n'explique pas, ouais, c'est juste. Ouais, ouais. Bon. Pourquoi ce slogan et en quoi est-ce qu'il représente le message du film ? Bah, c'est un jeu sur une citation. Oui, c'est Marivaux, le cœur a ses raisons, le cœur a ses raisons. L'État a ses raisons. C'est un jeu de mots avec la raison d'État. C'est un jeu sur la raison d'État. Voilà, ça parle aussi de à quel moment on peut se cacher la raison d'État pour dissimuler, on va dire, une affaire embêtante. Mais dans quelle mesure est-ce que la raison ne l'explique pas ? Je suis pas sûr de comprendre. Ouais, mais c'est juste que moi aussi, je suis pas sûr de comprendre. Je pense que c'est l'État, c'est raison que la raison ignore. Ouais, je suis pas sûr de comprendre. Ouais.
En fait, juste ma question, pourquoi vous avez choisi cette... Je pense que c'est vous qui l'avez faite, en fait, cette formulation. Oui, c'est comme un piratage, c'est un détournement de cette citation plus romantique sur le cœur. C'est-à-dire que... Comment dire, comme si c'est une façon de dire justement le détail, en fait, peut parfois devenir une entité un peu... qui perd la raison, justement. C'est-à-dire qu'on fait un état pour commettre des choses folles, comme par exemple déclarer l'état d'urgence et s'enferrer dans un état d'urgence, par rapport à une situation où on doit plutôt raisonner, justement. Il y a des personnages qui sont, j'ai l'impression, ils sont assez vulgarisés, on y met comme ça l'assistant et aussi le garde du corps. C'est peut-être c'était une volonté de montrer un peu le travail des gens qui sont en dessous des politiques ou des fonctionnaires. C'est oui, il y a aussi une dimension sacrée dans le film, c'est pas non plus. Ils sont aussi là pour apporter un coup de rigole avec eux. Enfin, a priori, moi j'aime bien Simon. C'est vrai qu'on faisait rire pour lui. Après, c'est vrai que ça, c'est une réflexion intéressante quant à la véracité ou la recherche de véracité au sein du film. C'est que quelqu'un qui va chercher la petite bête et essayer de déconstruire le film en se disant ouais, mais non, ça, ça fait pas vrai. Dans le sens, ouais, mais là, on voit bien que c'est écrit. Quoi. Enfin, voilà. Les personnes sont très terre à terre. Le père de Mosquera. Qui dispute parler de sa femme, enfin moi je trouve ça formidable. Et Simon aussi, qui est du coup un petit peu pesant parfois, mais quand même des brouillards. Voilà. Ça fait des personnages très écrus. Et en ça, je pense que ben, aussi dans la volonté de Laurent de faire un documentaire, c'est qu'il y a quand même des traces quelque chose de partagé, quelque chose d'un peu fantaisiste. Ça reste une forme de divertissement malgré tout. De cinéma aussi, et puis il y a des personnages en couleur aussi partout concrètement dans la vraie vie. Et c'est pas, il n'y a pas de raison qu'on n'en trouve pas dans un film qui veut interroger sur la véracité des événements, aussi sur l'actualité. Enfin, c'est en tout cas ma lecture. Oui, c'est vrai aussi par rapport à la scène dont tu parles. Les espèces d'aparté bizarre où les gens se livrent quand ils ne se livrent pas. C'est aussi pour dire que leur présence en vient à tout le monde, c'est-à-dire que ça ne sait plus quoi faire avec eux. Puis eux, ils se disent, on a bien du coup, on va lui poser des questions, tout c'est cool. Le mec, il ne livre rien, il n'est pas là pour leur raconter ni sa fonction, ni son rôle, il leur parle de western. Ils le gardent parce qu'ils n'ont rien d'autre, que ça crée une texture dans le film. Donc, il y a aussi cette espèce de jeu absurde avec des apartés sur. Tout d'un coup, on a pu isoler un personnage, on lui fait raconter quelque chose, puis on le garde. Au final, c'est aussi quelque chose d'assez vraisemblable parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est dans la partie pour une conversation nous balance exactement ce qu'on veut savoir et remplisse parfaitement son rôle et sa mission. Il va vouloir nous parler du fait qu'il aime tel film, il va vouloir nous parler du fait qu'il a mangé telle chose, qu'il a fait. Voilà, cet autre est aussi. Il va profiter, se dire ah, ok, super, on m'accorde toute cette importance, toute cette attention, je vais me livrer sur un petit détail de ma vie courante, c'est aussi envisageable. Quand tout d'un coup, le focus est mis sur quelqu'un qui est habitué dans l'ombre, il a tendance à parler de petites choses aussi. En un sens, ça dessert la vraisemblance du film en tant que documentaire pour ceux qui se posent la question de s'il s'en est ou pas. Dans l'autre sens, ça apporte quand même une touche d'humanité dans des personnages assez typés qui se livrent, mais sur des détails vraiment triviaux. Par contre, j'ai pas vraiment compris le concept de faux documentaire, et ça a été développé comment en fait. Enfin, parce qu'il y a d'autres. Il y a beaucoup de. Exemple qui sont. Voilà. Il y en a pas des millions, mais il y en a. C'est quand même, ça s'inscrit dans une longue tradition. Hein. Souvent, quand tu vois comment ça commence, il y a la première intervention, c'est la guerre des mondes de Wells, lue à la radio publique. Dans les années 30, et puis en fait, en gros, ils ont fait croire que les Martiens arrivaient. Les Martiens étaient en train d'envahir la ville, et que. Voilà, donc c'était vraiment décrit comme une guerre en train de commencer, comme une agression. Ça crée un mouvement panique, aux États-Unis, des gens qui fuyaient la ville en pensant qu'elle allait être détruite. Bon, ça c'était un truc de dingue. Après, il y a plusieurs films, mais dans le genre, je sais pas, film d'horreur, t'as Blair Witch Project, par exemple, qui joue sur ça. Je sais pas si ça dit quelque chose.
On a aussi un groupe de rock. Espanita aussi, c'est un groupe de rock. T'as un truc qui est super par contre, c'est le Best in Show sur un concours de chiens. On suit les gens en train de présenter leurs chiens. Enfin, sauf le concours de les participants sont inventés, c'est les comédiens et les chiens. Et puis, voilà, il y en a un que moi j'aime particulièrement de Bernard Herzog qui s'appelle Incident on the Loch Ness, où c'est une enquête sur le monstre du Loch Ness. C'est complètement farfelu. Et souvent, et puis dans les choses plus politiques engagées, il y en a un qui s'appelle Punishment Park de Peter Watkins. Souvent, en fait, c'est une manière soit d'approcher un thème absurde, soit c'est souvent lié aussi à la politique, ou déconstruire une perception que les gens peuvent avoir d'un événement historique, ou et puis d'amener un autre thème. En fait. Et d'aller aussi loin dans une direction où un documentaire traditionnel n'aurait pas forcément laissé aller. Dans le cas de confusion, par exemple, on peut imaginer que cette caméra, simplement, on leur aurait dit casser. Dans un vrai recul, si tu veux. Moi, en fait, j'aurais été fait autrement. Là, ils accompagnent, on justifie aussi cet accompagnement. C'est là qu'on voit aussi que c'est écrit d'une certaine façon. C'est pour apporter un peu du réel. De la com, j'étais un peu étonné parce que, enfin, communication, je vais dire votre film, c'est que dans la bande-annonce, le film, il a beaucoup de tension, d'impression, c'est très, presque sensationnaliste comme ça. Alors que le film en soi, il est ultra léger, quoi. Il y a presque ce moment que, enfin, on s'attend plus, on attend de rigoler à la prochaine scène plus que d'avoir peur ou juste quoi. Puis ce décalage, c'est quelque chose que vous avez cherché à créer, ou c'est un peu, je sais pas. Disons que la bande-annonce, c'est pas moi qui l'ai monté, c'est pas moi qui l'ai conçu la bande-annonce. C'est pas moi qui a fait une proposition. Et je trouve que c'était assez marrant parce que ça met plus en avant le côté thriller politique, en fait, qui existe dans le film et qui n'est pas traité au premier degré. Donc je trouvais que le compromis était pas mal par rapport au statut de vrai-faux du film. Entre, ça rejoint un peu ce que tu sous-entends. Juste, vous l'avez fait de quand à quand, ce film, en fait, exactement? Le temps de tournage, tu veux dire? Oui, et puis depuis quelle date, enfin, quelle année? Alors, on a tourné fin 2013, novembre, et on a tourné 19 jours, 18 jours. Ouais, donc ça se fait. Tournage très rapide, très préparé, mais rapide à l'exécution. Après, il y a eu la phase, par contre, de création du blog, effectivement, qui arrivait en deuxième temps, où là, ça a été... Il y avait une volonté aussi, moi, quelques festivals avant de sortir officiellement. On va laisser un peu évoluer. On va afficher aussi à des questions de faux documentaires, parce qu'on peut créer autour. Vous deux, vous avez perdu du poids pendant le tournage, là. Ok, dans pendant le tournage. Maintenant, je pense au film. Pendant le tournage ou pour le tournage? Non, pendant le tournage. Non, alors après, on avait une équipe formidable de maquilleuses et costumières qui nous ont donné l'air pourri, fatigué. Non, c'est juste qu'ils font beaucoup courir, quoi. Ouais. Non, c'est juste ça. On avait la chance. Quand on court à Berne, la gare de Berne, alors lui, il prenait l'escalier roulant. On était à côté et puis c'était, je pense, 6h30, 7h du matin, donc je n'avais pas mangé. On a dû la faire 9 fois. Non. Oui, on l'a fait 9 fois. À la fin, j'avais sacrément envie de gérer. C'est vrai que c'était un peu la vraie. Moi, j'avais porté la caserne. Si j'ai attendu la maison, vous êtes pas déjà. Mais ça va. Non, mais c'était fait en gros final. Je pense que les scènes qui ont nécessité le plus de refaisage, c'était pas celles qui bougeaient le plus, franchement. On avait peur, surtout dans la forêt, de nuit, avec. Non, la scène qu'on a fait 12 000 fois, c'était le. Ouais, 42 fois. Et c'était vraiment, on devait faire un soir, on espérait pouvoir le terminer ce soir-là, et ça n'a pas pris. On a des bons athlètes et des très mauvais campagnards. Non, du coup, il faut demander à l'homme, je comprends pas même plus le courage. Moi-même, j'ai essayé. Non, ça va. C'était parfois un peu bizant, mais ça s'est bien. Et vous nous avez dit que vous avez diffusé le film à tous écrans à Genève. Vous attendez à avoir quoi comme public, enfin, est-ce que vous voulez vous toucher encore les politiciens et puis diffuser le film à ce niveau-là? Il est sorti en Suisse romande, il sort en Suisse allemande le 10. Mm-hmm. Il sort en salle traditionnellement dans un état des lieux de distribution en salle qui est très très difficile pour le cinéma indépendant en général, le cinéma suisse romand encore pire.
Donc la salle, c'est pas tellement représentatif. Après, ça va faire son parcours de télé, son parcours de VOD, etc. C'est plutôt, on va dire là, que ça touche un public plus large. Pour vous donner une échelle de valeur qui moi-même me surprend beaucoup, ça fait maintenant un peu moins de 2 ans que je bosse régulièrement avec la télé pour temps présent. Quand tu fais un temps présent, tu touches en Suisse les gens qui regardent la RTS, donc c'est pas la majorité, mais c'est d'un coup 250 000 personnes qui regardent. Et puis quand tu fais un film suisse qui a beaucoup beaucoup de succès, comme Home de Ursula Meyer par exemple, c'était 73 000 entrées, ça c'était genre incroyable, et puis sinon c'était plutôt entre 5 et 10 000 personnes. Et ça, c'est l'état de la distribution en salle en Suisse, juste pour avoir une chaîne. Donc c'est intéressant. Savoir qui va venir voir le film en salle, j'en ai aucune idée. Mais au départ, c'était vous. Non, alors au départ, on continue à. Ce qu'on aime bien, c'est de dire qu'on va plutôt articuler une diffusion à travers le net. Et puis c'est plutôt par la compte. Là, il y a un truc qui est drôle qui se passe en France pour ce film, mais pas en Suisse. Parce qu'il y a plus d'originalité, plus de, on va dire, de structure aussi de diffusion. Donc il y a une vendeuse internationale qui l'a pris. Et puis elle veut jouer la carte du documentaire pur. Parce qu'un documentaire, ça marche toujours mieux quand c'est pas dans la culture qu'il a faite. Et ça marche encore mieux quand c'est pas dans la langue qu'on parle. Moi, je l'ai présenté dans 3-4 festivals allemands et autrichiens, et le taux de crédibilité est beaucoup plus élevé, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe en Suisse? Mais qu'est-ce que c'est que l'histoire? Les gens sortent des trucs. Mais comment vous allez convaincre cet Américain particulier? D'habitude, ces gens-là, ils parlent jamais à personne. Quand t'es là, oui, bah, c'était très difficile. On entretient la confusion, évidemment, c'est marrant, puis après, ou pas, on construit c'est dans une petite audience. Mais c'est vrai que ça passe mieux quand c'est dans une autre langue. Si tout d'un coup on l'avait fait en espagnol, je pense que vous n'auriez pas la même réaction. Si ça se passait sur un petit aéroport entre Valence et, je sais pas, et Torremolinos, là, potentiellement, on serait là. C'est quoi ce truc en Espagne? J'ai entendu parler qu'il y avait des détenus. Alors, c'est aussi le jeu avec ce genre d'objet. En allemand, c'est aussi confusion, le titre. Ouais. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Non. Comme ça, ça marche pas mal. Justement, pour rebondir là-dessus sur le titre, est-ce que la manière de filmer, donc qui est un peu à la manière d'un paparazzi, justement, est-ce que ça contribue, enfin, est-ce que c'est aussi en lien avec le titre, au fond, où ça crée une grosse confusion, au fond Disons que c'était voulu pour être filmé par deux étudiants. Bah, c'est pas hyper léché, c'est pas. J'entends, c'était tout filmé caméra à l'épaule, des fois la caméra est posée quelque part, voilà, ça bouge beaucoup. Ouais. Si vous faites un peu de motion sickness, je sais que le film n'est pas extrêmement confortable, mais... Est-ce que vous êtes malade à cause du mouvement? C'est ça que vous voulez dire. Oui, ça c'est un truc que j'ai regardé PFF, moi, c'est... Mais ici, Mais est-ce que c'est ce qui vous a inspiré pour donner le titre, pour appeler le film Confusion, ou bien vice-versa? Est-ce que c'est Confusion qui vous a donné? Non? Non, c'est comme si Star Wars on l'avait appelé. Effets spéciaux. Mais ça sert la cause du titre. Ouais. Non, parce que justement, je dis que ça concorde bien. C'est pas mal comme titre, c'est bien. La chambre. Non, c'est moins bien avec ce qu'on s'est dit. Et pour vous, juste une dernière question. Pour vous, vous avez fait un film sur la parallèle post-11 septembre. C'était logique de faire quelque chose sur Guantanamo, vu que Guantanamo c'est une suite du 11 septembre, ou c'est vraiment à part et ensuite ça se rejoint? Vous avez déjà dit en fait que dans le sens. Ouais. Disons que Guantanamo, c'est 2002 la création, 2001 c'est le terreau qui fait que ça se fait, mais ça fait un moment où c'est un thème que je suis tout particulièrement. Après, si c'est logique, je ne sais pas, c'est vraiment logique. Enfin, oui, c'est, enfin, le film d'abord est très différent. Enfin, ça, c'est pas une continuité. Les sciences politiques, c'est-à-dire la manière de regarder le monde politique, c'est-à-dire que vous êtes tous en train de devenir des politiciens, vous êtes tous des gens qui potentiellement ont quelque chose à dire sur le comportement du politique en général, sur son histoire, sur son présent, sur son avenir. Je vous dis juste ça parce que ça me frappe tellement en fait de voir le degré de l'acidité, de l'attaque corrosive des milieux politiques contre les formations sociales qui sont aussi des endroits où on réfléchit,
Organisez-vous contre ça, parce que c'est vraiment une peste intellectuelle, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et c'est une fois de plus le discours de la rentabilité versus le discours de la, on va dire, de la réflexion. Et la réflexion, contrairement à ce que vous ne faites pas, peut être rentable. Et à terme, à long terme, et globalement, elle est plutôt rentable que l'ignorance.